Bonjour tout le monde, c'est Agnès qui vous parle, et aujourd'hui on se retrouve sur Forklift Man, qui est un petit jeu assez sympa de puzzle, donc que j'ai découvert sur la chaîne d'un youtubeur anglophone, et j'ai vu qu'aucun français n'avait fait de vidéo dessus, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire découvrir à la communauté francophone, quoi. Et donc c'est un jeu basé en fait sur le... sur la... enfin, pas sur la mécanique, mais sur le fait que je puisse extendre mes bras comme ceci. Et donc je suis censé résoudre des puzzles ou trucs comme ça grâce à mes bras que je peux extendre comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu qui est en développement, qui est encore en développement. Donc on peut le trouver sur GameJolt. Vous aurez le lien pour le télécharger dans la description si vous voulez l'essayer pour vous-même. Mais donc on va commencer. D'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a aussi moyen d'extendre ses jambes, mais pas pour l'instant. Pas dès le début, quoi. Ok. Ouais, c'est bon, une mise à jour importante est disponible, mais j'en ai rien à faire, moi. Je peux même pas accéder à la fenêtre, pour fermer la notification, quoi. Bon, vous m'excuserez. Voilà. L'autre qui me fait ouais, il y a une nouvelle mise à jour de Java, mais qu'est-ce que j'en ai à faire pour l'instant? Alors, donc comme vous pouvez voir, il est jouable en réalité virtuelle, donc sur l'Oculus Rift. D'accord, celui-là bouge, c'est ça qui bougeait. Il y a différentes vues, ouais, j'ai vu ça, hop, 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 hop. Oui, il y a différentes vues sur l'Oculus Rift, ouais. Et voilà, et donc là, je peux modifier la taille de mes bras comme ça. Pour ceux qui se demandent, je joue avec une manette. Parce qu'on peut jouer avec une manette, alors pourquoi même pas, pourquoi pas. Par contre, sur la manette, je ne peux pas modifier les... comment dire, les vues, donc peut-être que je m'amuserai un peu avec ça après sur le clavier. Ok. Oh, c'est pas possible ça. Hop. Voilà. Alors voyons. Bon, d'accord, à chaque fois que j'entre dans une salle, il met en vue comme ça. Ok. D'accord, c'était pas prévu. Je voulais pas. D'accord, quand j'appuie sur... Ah oui, c'est vrai qu'il faut sauter avec X. Bon, c'est pas super bien foutu. Alors. Ouais. On a pas mal de blocs là. Bon. Faut traverser, faut aller là-bas. Oula, oula. Ok. C'est bon, t'es content? Est-ce que je peux jeter les blocs avec un truc de ma manette, moi, ou... Alors, est-ce que c'est pas possible? Ah, si, avec bumper gauche. Hop, on a un autre cube ici. C'est vrai qu'il faut s'y faire au fait de pouvoir. Ah mais non, mais je peux pas. Chaque fois je veux sauter avec A. Enfin, comme on saute tout le temps avec A. Dans les jeux en général, on veut toujours sauter avec A. Hop. 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 À moins qu'il y ait moyen de faire un pont en fait. En écartant un maximum les blocs. Hop. Trop loin. C'est compliqué. Non, toujours pas avec A. D'accord. Très bien. Ici, j'ai déjà pris le cube. Bon, on va voir ce que ça fait. Non, c'est quel... What? D'accord. Voilà. Hop, hop. Ah, il y a un cube là-bas aussi. Parce que là, ça va pas suffire. Eh bien, regardez mon magnifique pont, voilà. Bon, on a fini cette salle. Oula. Ah oui, d'accord. Ça commence à devenir un peu plus compliqué, là.
Il y a plein de blocs. Je peux prendre ces blocs-là? Non. Non, toujours pas allonger ses bras avec A. Toujours pas sauter avec A. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de ça déjà? Bon, déjà, on va voir ce qu'on peut faire comme ça sans bloc. Déjà, il nous faut un bloc là. Un petit bloc, si possible, parce que celui-là, on va pas être capable de monter dessus. Là-bas, il y a un bloc. Je sais pas, j'ai vu tout à l'heure. Il va me falloir celui-là, parce que est-ce que je peux monter sur celui-là? Ouais. Ah, je peux pas prendre le bloc sur lequel je suis. Enfin, en même temps, sinon. La physique. Voilà. Hop. Ça fonctionne? Non, mais lâche ce cube là. Hop. On peut prendre celui-là. Mais. Viens par là, toi. Dis-moi que je peux le récupérer de là. Voilà. Mais non, mais c'est pas possible! Bon, on va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver, hein. Peut-être. Hop. Hop. Je l'ai posé là où il faut? Non, pas du tout. Ah, mais c'est vrai que je peux pas sauter avec le cube dans les mains. Hop. What? Ah! Au secours! Aidez-moi! Voilà! C'était laborieux. Hein. On va y arriver. Oh mais non! Là 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 là, j'arrive pas à sauter moi. Je suis quand même vachement fort. Hein. C'était ironique. Hein. Voilà. Hop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'intérieur de ma tête. What? Hop. J'ai pas envie de voir l'intérieur de ma tête. Voilà, on va laisser ça là. Comment est-ce qu'on peut monter? Comment est-ce qu'on pourrait monter plus loin? Faudrait qu'on puisse. Là, peut-être avec ça. Imaginons que lui, on le mette ici. Non, pas là. Sur le rebord, là. Tu vois? Ici, comme ça. Voilà. Et maintenant, on est coincé. Parce que, imaginons qu'on prenne le gros là-bas. Non, pas du tout. Ah si, tu sautes. Parce que là, en fait, il nous faudrait lui. Ici. Non. C'est compliqué de placer les blocs. Voilà. Non. Non. Tu restes là. Putain, mais même les blocs me respectent pas, quoi. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Enfin, sauf si ma santé mentale s'épuise avant la fin. Oh non. Viens par là! Viens par là, toi! Hop! Je pense que je pourrais le récupérer tout à l'heure. Très bien. Il est là, il est là. Hop! Est-ce qu'il est? D'accord, il est de l'autre côté. Très bien, j'aurais besoin du bloc, s'il vous plaît. Oula, oula, oula. Est-ce que je peux sauter jusqu'à cette plateforme. Bah d'accord. Ah, il y avait déjà un bloc ici, très bien. Je ne pensais pas du tout être capable de sauter jusqu'à cette plateforme.
Mais non, mais reviens là! On peut se faire un pont. Pas du tout. Hop, on ressaute par là-bas. Parce que là, étant donné que la plateforme est plus haute, on va être capable de sauter, c'est ça? Si, bah si, évidemment. Très bien. Parce que là, faut sauter directement jusque là-haut. Ensuite, on peut sauter sur ce bloc-là, qui nous permet pas de sauter sur ce... Non. Voilà. Ah ouais, merde. Ça ne passe point. Bon, toi, va-t'en. Merci. Si je prends lui et que je l'empile par-dessus... Je répète, si je prends lui et que je l'empile par-dessus, bah ça marche. Ensuite, il va encore m'en falloir un. Ah bah pourquoi pas après tout. Au point où on en est. Pourquoi se préoccuper de la physique? Pourquoi est-ce que deux cubes ne seraient pas capables l'un l'autre de se transpercer, de se transpercer. Pas de se transpercer, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais bouge! Oh. Allô? Voilà. Et il nous faut encore le cube. Mais non, mais pas là. Et nous y voilà. Ah non! Alors comment est-ce que je fais par contre sur ma manette pour accéder? Faut que j'appuie sur Y. Parce qu'il faut que je maintienne Y enfoncé. Faut que je maintienne Y enfoncé. Parce que je peux genre sauter. Ah ouais quand même! Oh, d'accord, bon, on peut faire des choses assez stylées. Wow, on va se calmer déjà. Est-ce que toi tu vas là-dedans? Non. T'es trop petit, c'est ça? Donc faut que t'ailles là-dedans. T'es trop gros, donc faut pas que t'ailles là-dedans. Si! Si, faut que t'ailles là-dedans, très bien. Bon bah allons-y. On va en chercher d'autres. Ok. Tu vas là-dedans? Oups. Non. T'es trop petit. Là-dedans? Ouais. Ensuite, est-ce qu'on en a un autre là-haut? C'est vrai que j'ai mes jambes. Bon bah, même sans mes jambes. Est-ce que tu vas là-dedans? Bah, bien sûr. Mais lâchez-moi tous ces blocs. C'est stylé, ça n'empêche. Reste là, toi. Ça fait peur, n'empêche. Oula. Par contre, la marche est un peu spéciale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux. Mais non, mais lâche ce bloc. Où sont cachés les autres? Il y a un truc derrière ça. C'est ça, très bien. Là, il y en a un. Il y a une lumière. Ouais. Oh, mais parez-vous! Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? Ceux-là sont pleins, ceux-là sont... Là-dedans? Voilà. Qu'est-ce que ce 1? Qu'est-ce que ça signifie? Bah salut. Il est là depuis le début de la... Depuis le début de la journée? La journée. Il y a un truc derrière ça. Je don... Daring? Voilà, il y a juste pas de truc derrière ça. Si, il y a encore un cube. Qu'est-ce que c'est que ces jambes? Ah, il y en a un là-haut. Va-t'en. J'en ai marre de ce cube. Voilà, on va le laisser là-haut. C'est pas qu'il y a des cubes partout dans le pass. Bah, pourquoi pas?
C'est pas qu'il y a des cubes un peu partout dans le passage, mais un peu quand même, hein. Des cubes qui volent, des trucs comme ça. Level complete. Hop. Non. Une seule chose à la fois. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je peux passer là-dedans? À quoi ça m'avance tant que je peux faire le tour? La porte est fermée, très bien. Oui, mais encore? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand j'ai les jambes et faut que j'ai les jambes le plus haut possible, visiblement, ou un truc comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Non. Je peux te prendre? Non plus. Quoi? Ouais. Mais comment je peux avoir le temps de... Je cours plus vite quand j'ai les jambes étendues. Mais tout s'explique. Donc c'est simple en fait. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'y aille comme ça. Et tout de suite j'étende mes jambes. Pour aller le plus vite possible. Ah non, non, non. Bon, d'accord, ok. Non, pas du tout. Oui, non. Mais pourquoi pour... 2 mm. Pour 2 mm quoi. Voici une dernière fois. Après j'essaierai au clavier pour voir. Ok d'accord. Bon ok. Bon on va essayer au clavier parce que y en a marre. Comment est-ce qu'on fait au clavier? Voyons au clavier, comment est-ce qu'on fait? Alors clavier, oh c'est un QWERTY évidemment, hein. Alors left click, ouais ça on n'a pas besoin. Ah si, oh mais comment? Et comment est-ce qu'on fait pour switch contrôle et ok. Bon. Et ok. J'étais pas tout en bas, bon, d'accord, c'est beaucoup plus simple au clavier. Enfin, du moins, je trouve ça plus simple au clavier, moi, après, je sais pas, vous pensez ce que vous voulez, hein. Ah, zut, faut que j'utilise... Ah, très bien. Voilà! Bon, c'est beaucoup. Donc je disais, c'est. Après, pour les sauts et tout, je pense que je vais quand même préférer la manette. Parce que. Le clavier, en fait, le problème, c'est pour grandir les jambes, quoi. La manette, je veux dire. La manette, le problème, c'est surtout qu'en fait, faut maintenir Y et appuyer sur les gâchettes. Et en même temps, utiliser le joystick. Donc c'est un peu chaud d'avoir trop de choses à faire. Enfin, personnellement, si je peux monter plus haut. Sérieusement, mise à jour de Java encore? Non mais, il a pas compris, hein. Je suis en train de tourner une vidéo là, Windows, tu m'entends? Donc là, je peux sauter. Intéressant. En fait, quand je suis les jambes étendues, quand je saute. Ça rétracte mes jambes. Range tes bras. Mais non, mais... Ah oui, par contre, là, il y a un toit. Faut juste que je sois à la bonne hauteur pour pas me prendre le toit. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà, c'est juste simple. Faut juste sauter comme ça. Ouh là, ouh là, ouh là. Pas envie de retomber jusqu'en bas.
Non, c'est bon. Je vais trop loin en fait. Faut qu'on aille jusque là-bas. Je sais pas vous, mais je le sens pas. On va le plus haut possible. Oula, oula. On prend de l'élan. Et on saute. Ah oui, non, en fait, ça passe crème. Faut que j'appuie sur Y avant d'appuyer sur la gâchette. Parce que sinon, le problème qu'on a, c'est que. Faut que j'aille là-bas. Et qu'ensuite de là-bas, je saute à là-bas. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Ça c'est facile. Et là, faut que je saute jusque là. Mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je veux dire, là il y a un truc qui va pas. Non, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Je veux dire, il y a un truc qui va pas là. C'est pas humain. C'est pas du tout humain non plus. Je peux sauter déjà sans. Comme ça. Et. Ah ben non, parce que quand tu sautes, ça. Quand tu sautes, ça rétracte. Donc au final. T'es obligé de. Faut que j'aille jusque là-haut. Mais comment? Oh, il est gars, c'est vrai. Hop. Voilà. Parce que là, imaginons que. J'ai un pied dans le vide, mais c'est pas grave. Parce que là, faut que je saute jusque là-bas. Je vois pas comment c'est possible de sauter jusque là-bas, en fait. Non. Est-ce que je peux accrocher aux lumières? Non. Je sais pas. Ou alors, ah, ce sera en fait, je prends carrément le mauvais chemin, quoi. Et vous êtes en train de crier devant votre écran, hey, en fait, c'est la plateforme là-haut, ou je sais pas quoi. Attendez. Je commence à me poser des questions, là. Non, je peux pas accéder à ça. Non. Ça, je peux pas y accéder directement de là. À mon avis, ça me paraît plus simple que d'en bas là-bas. Non! Toujours pas. À mon avis, c'est jouable de là. C'est plus jouable que de là-bas, en tout cas. Non, je sais trop tard. Oula. Tout va bien, je veux dire, je suis pas du tout énervé envers le jeu. Je veux dire, pourquoi j'ai aucune raison de m'énerver là? Je veux dire. Ah, il y avait le mur. Enfin, c'est le toit, mais le toit est un mur au final. Le toit est un mur posé à l'horizontale. Pourquoi je me lance dans de la philosophie là? Non! Non! Un toit n'est qu'un mur posé à l'horizontale. Après tout, un sol n'est qu'un mur posé à l'horizontale. Un mur n'est qu'un sol posé à la verticale. C'est ma santé mentale qui se barre, je crois. Après tout, une plateforme n'est qu'un morceau de sol en lévitation, qui est lui-même qu'un mur posé à l'horizontale. Qu'est-ce que je raconte là? Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-moi! Bon, c'est bon, arrêtez de faire les imbéciles parce que c'est pas que je risque de me fail, mais je risque de me fail. Se mettre contre le mur. Salut, gros grain de chauve. Oui, ça passe! Donc au final, cette plateforme là-bas ne sert qu'à brouiller les pistes. Oh, j'ai eu tellement peur. Faut que j'aille juste.
Vous êtes sérieux, faut que j'aille jusque là-bas. Quoi? D'accord, il y a une plateforme. Quoi? D'accord, il y a quoi? Est-ce que je peux tomber là? Je crois pas. Très bien. Donc on va juste y aller comme ça. Oui, ça passe. Et là, faut qu'on aille sur la gauche. Ouais. Faut que j'aille jusque là-haut. Cette plateforme en dessous ne sert à rien. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et là, faut qu'on aille jusque là. Bon, allons-y. Oui. Vous êtes sérieux, même la fin du niveau, ils veulent même pas me laisser traverser une porte normale. De quoi? Comment ça? Grab World. Grab World signifie attraper le monde. Genre, faut attraper le monde dans sa main comme ça? Quoi? Attendez. J'ai des grappins! C'est trop stylé! Attendez. Bah, c'est moins stylé quand on tombe, mais. Attendez, c'est trop stylé! Alors, le pire, c'est que avant de commencer à jouer au jeu, là, je m'étais dit, oh, ça pourrait être trop bien. J'avais déjà fait le premier level, quoi, pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, je m'étais dit, ouais, ça pourrait être trop bien si on pouvait avoir des grappins ou trucs comme ça. Et là, voilà qu'on a ça. Très bien, ça ne fonctionne pas. Peux-tu pas monter, genre, mieux que ça? Hop! Non! Bon, on va y arriver, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hop. Non plus. Voilà. Et le reste, on peut le faire en platforming simple. Pas du tout. Bah non, ils sont pas. Oh. Ah! D'accord, en fait, je... J'ai compris comment ça fonctionne, la mécanique de... En fait, tant que j'ai de la... Enfin, c'est un peu... Tant que j'ai de la réserve de bras, en gros, tant que j'ai encore mes bras assez longs, je peux m'accrocher. À partir du moment où mes bras sont au minimum, je peux plus m'accrocher. En gros. Si j'ai bien compris. Ah, donc là par exemple là j'ai fait de la merde parce que j'ai plus de réserve de bras. Voilà. Donc là ça peut vous venir comme ça, très bien. Pourquoi je peux pas m'accrocher à la porte? Non! Pourquoi tant de haine? Pourquoi personne ne m'aime? Même la porte de fin de niveau ne m'aime pas. D'accord, très bien. Ah oui, non, mais là je suis carrément retombé au plus bas, quoi. Est-ce que je peux juste monter directement? Je vois bien à la fin du jeu en fait le niveau, tu sais, où faut que tu utilises tout ce que t'as appris au début du jeu. Ah non, toujours pas. C'est faut que t'attraques des blocs et que tu te serves d'un bras comme d'un. Tu te serves d'un bras pour attraper un bloc, de l'autre pour utiliser le grappin.
Ah, ce serait bien ça si on pouvait avoir les deux bras différents. Il fera l'attaque on Titan. Ah! L'attaque des Titans version. Bras. Accroche-toi, imbécile! C'est pour amortir ma chute, j'agrandis mes pieds. Voilà. Ça me fait monter rien du tout. Vas-y, accroche-toi! Oui! Je l'ai! Putain, c'est laborieux, hein. Est-ce que je peux m'accrocher aux lampes? Pourquoi pas après tout? Pas de raison. Wow! Yes! Dans le dernier niveau, on peut juste s'amuser avec les vues et puis certaines modifications qu'on peut apporter au personnage. Donc je vais juste vous montrer un petit truc qui est assez marrant à faire. Voilà, on peut agrandir ou rétrécir notre tête. Ça doit faire encore plus peur, tu sais. T'es dans la rue, tu croises un mec comme ça, qui tient son téléphone comme ça. Avec ses jambes comme ça. C'est le truc. Truc qui fait le plus peur de tout ce que t'as jamais vu dans ta vie, quoi. Alors, on va rétrécir ça. Est-ce qu'on peut mettre la tête toute petite? Toute petite tête! Donc pour moi, c'est quand même un super. Il y a un super concept dans le jeu, quoi. Il y a moyen de faire de ces trucs avec ça. S'ils arrivent à mettre leur jeu à bout, ça peut être vraiment très bon. Parce que là, pour l'instant, comme je disais, ça reste une démo, quoi. Et c'est quand même vraiment stylé, quoi. Le coup du grappin bras, là. J'ai pas encore totalement compris comment ça fonctionnait. Je croyais avoir compris, mais en fait, pas du tout. Enfin, si, un petit peu quand même, mais. Est-ce que je peux genre monter jusque là-haut, jusqu'au toit du. Non! Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire, du moins. Tu peux pas monter plus haut? Non, déjà j'ai tout pété. Voilà. C'est ça ma vie. C'est rester accroché au toit d'une maison. Spider-Man! Tintintintintin. Non! Oh non, c'était trop stylé! Bon, on va refaire Spider-Man. Donc on va juste faire Spider-Man comme ça. C'est ridicule, mais on va faire Spider-Man comme ça. De pouvoir changer de caméra maintenant et de pouvoir faire ça comme ça, c'est légendaire! Jusqu'au moment où je tombe. Oh! J'ai terminé le niveau comme ça! Très bien. Est-ce qu'on peut monter la porte? Pas du tout. Pas du tout accrocher la porte. Youhou! Bon! Donc je disais. Donc c'est un jeu très très fun, très sympa, on peut bien s'amuser pendant un petit moment. Mais bon, ça reste une démo évidemment, et donc ça reste quand même assez court. Mais je pense que si ils arrivent à faire un jeu complet avec cette mécanique, ça peut vraiment être super. Vraiment, genre faire un jeu avec qui peut durer quoi, je sais pas moi... Je sais pas, un jeu un peu comme Polarity, quoi, mais avec ces mécaniques-là et tout, au final, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Ou même après, s'ils intègrent la mécanique comme ça dans un jeu, dans un RPG. Faut que je me calme, moi. C'est World of Warcraft bras extensibles. Ça serait le bordel. Il faut même qu'ils se barrent. Le mec, il commence à frapper l'autre et l'autre il se barre en s'accrochant au plafond avec ses bras. Ce serait un peu du n'importe quoi. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'on va tout simplement se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!